Technique de respiration, souffle et voix, on voit ça tout de suite aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal et toutes les semaines je partage des exercices, des tutos, des astuces pour t'aider à développer ta voix et bien chanter. Alors, n'oublie pas de télécharger ton cadeau en cliquant dans le lien juste en dessous. Tu recevras une vidéo chez toi en bonus et tu rejoindras ainsi les centaines de chanteuses et de chanteurs qui utilisent de par le monde mes exercices au quotidien. Si tu t'abonnes à cette chaîne YouTube, ce que je t'incite à faire, eh bien tu cliques sur la petite cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir sur cette chaîne. Alors, on parle de respiration. Des respirations, les amis, il y en a plein. J'ai déjà fait des vidéos sur la respiration et j'ai reçu des commentaires me disant « Oui, mais Antoine, moi je respire comme ça, moi je respire comme ça. » Je sais, les amis, quand vous faites du sport, vous respirez d'une certaine manière. Quand vous faites du yoga, vous respirez d'une certaine manière. Il y a plein de différentes. Quand vous faites du vélo, vous respirez d'une certaine manière. La course à pied, voilà. Moi, la respiration dont je vous parle, c'est une respiration que j'utilise pour le chant. Ce n'est pas l'unique respiration, mais c'est une respiration que je conseille tout simplement parce qu'elle est efficace. Maintenant, si ça ne marche pas pour toi, eh ben, ne garde pas ça et puis utilise autre chose. Il n'y a pas de souci. Alors, dans la technique de respiration que j'utilise, on va se rapprocher d'une respiration qui est très naturelle, la respiration du bébé, ou c'est aussi la respiration que nous avons lorsque nous dormons. Et pour cela, il va falloir t'allonger pour pratiquer cet exercice. Juste avant de démarrer, juste avant de t'allonger, partage cette vidéo à tes amis. Si tu as des amis qui se posent des questions sur la respiration, le chant, comment ça se passe, qu'est-ce qui doit bouger, voilà, rends-leur service en leur partageant cette vidéo et n'oublie pas de mettre au passage un petit pouce. Alors, je te propose maintenant de t'allonger sur le sol, sur un sol dur, et nous allons pratiquer ensemble un exercice. Ok, allongé sur le sol, on va maintenant commencer à respirer tranquillement, respirer par la bouche, bouche ouverte, et tu vas observer ce qui bouge dans ton corps. Alors, ton ventre va peut-être bouger, peut-être que ton thorax va aussi bouger. Observe ça, cette amplitude. Moi, je vais le faire en même temps que toi. Voilà, alors tu vas peut-être remarquer que ton thorax peut-être se soulève un petit peu, ton ventre bouge peut-être plus, il fait des mouvements comme ça de haut en bas si tu es allongé. Alors, on va le refaire et on va regarder comment bouge ton ventre, avec quelle amplitude lorsque tu respires comme ça tranquillement par la bouche allongé sur le sol. C'est parti. Ok, alors on met en place des capteurs. Tu as peut-être senti, tu peux poser ta main sur ton nombril si tu veux pour sentir cette amplitude. Maintenant, on va s'amuser à expirer le son sur un S. C'est-à-dire que je fais rentrer l'air. Et pour vider, je vais le faire sur un S. Fais-le avec moi. J'aspire. Tu remarqueras peut-être que ton ventre se déplace moins vite maintenant lorsque tu vides ton air, tout simplement parce que en faisant le S, on va freiner l'air. Et c'est un peu ce qui va se passer avec tes cordes vocales et on va le tester tout de suite en faisant maintenant un Z, un Z. Alors, c'est parti, reste allongé, on prend l'air et au moment de vider, on fait Z. Go. Laisse rentrer l'air, ton ventre reprendre la place et on vide. Alors, c'est pas un concours de longueur, garde ton cycle respiratoire, ne respire pas plus vite ou plus lentement, mais je pense que tu vas t'apercevoir que ton ventre aussi est freiné en fait, hein. Il bouge maintenant moins vite que lorsque tu respirais sans faire de son, on reteste sans faire de son. Là, je ressens vraiment un mouvement ample de mon bas ventre.
Maintenant, si je refais la même chose en vidant sur du zzz, voilà, là tu peux vraiment t'apercevoir que ton ventre est ralenti. Ça, c'est une première chose. Il va moins vite que quand tu respirais comme ça juste par la bouche sans faire de son. Et aussi, il ne s'arrête pas. C'est-à-dire que si tu es allongé au sol, ton ventre va faire comme ça. Il va rentrer comme ça dans un mouvement lent et continu. Tu vois, il n'y a pas d'à-coup. Et ça, c'est vraiment une clé importante. Si jamais tu as ce truc de pousser comme ça fort avec le ventre, ça va faire des à-coups. Et nous, on ne cherche vraiment pas ça. Ton ventre, il va bouger, mais de manière continue, comme quand tu es allongé et que tu fais cet exercice. Maintenant, la dernière chose que je t'invite à tester, c'est à tester des mélodies sur ton expiration. C'est parti. Je laisse rentrer l'air. Et là encore, pendant la mélodie, je cherche à garder ce même mouvement continu, donc freiné par rapport à quand tu le fais sans faire de son. Mais continue, il ne s'arrête pas et il n'y a pas d'à-coup. Ça, c'est vraiment une clé essentielle. Alors, prends vraiment le temps de le faire, pose-toi, je résume. Tu respires comme ça par la bouche tranquillement, tu laisses circuler l'air et tu vois comment ton ventre se déplace. Ensuite, tu le fais avec un S, tu vides ton air sur un S. Ensuite, tu vides ton air sur un Z. Donc là, tes cordes vocales seront en action. Et ensuite, tu rajoutes une petite mélodie lorsque tu vides ton air. Et tu vas observer ce mouvement qui est continu et ralenti, comme ça, de ton bas-ventre. Donc, on va se placer là, sous le nombril pour sentir ça. Et ben, je t'invite ensuite à te remettre debout et à retester pour tout ça, pour voir si tu as ces mêmes sensations ou bien si au contraire, ton ventre fait zzz, toi, s'il a tendance à pousser comme ça. Et ça, je t'assure que ça ne va vraiment pas plaire à tes cordes vocales parce que ça va leur donner des chocs comme ça et ça va donner des à-coups dans ta voix. Voilà, ça va pas t'aider à avoir une voix libre. Nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est avoir un accord voix-souffle vraiment très, très homogène, un accord optimum. Et cet exercice va vraiment t'aider à faire ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Vraiment, retestez cet exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à prendre votre cadeau en cliquant là-dessus, à vous abonner à cette chaîne et à partager des nouvelles vidéos. Et puis, eh bien, si vous fouillez dans les playlists, il y a des vidéos pour les débutants, il y a des vidéos pour les aigus. Il y a une centaine en fait d'exercices sur cette chaîne YouTube, donc vraiment pour vous aider à bien chanter. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de votre voix. Ciao !